aujourd'hui à la plagne, je teste la plagne. Je leur ai dit que ça pouvait aller sur les pistes, et donc on voulait voir si ça marche, et je pense que ça marche. Moi je l'ai appelé Buggy Ski, parce que c'est un dérivé du Buggy Rollin. Le Buggy Rollin, c'est une armure à roulettes que j'ai inventée en 93-94. Ça m'a pris des années, et un jour j'ai eu un sponsor matériel, donc des skis, et donc je pouvais couper dans les skis et monter comme je voulais. C'était en 2005, et donc j'ai fait un premier proto, qui est celui-ci, pour glisser dans toutes les positions. Bon, il y a eu plein de problèmes, hein, parce que entre ce qu'on imagine et ce qui se passe dans la réalité, il y a toujours des différences. Mais à force de modifier, d'affiner, de rendre les choses confortables et pointues, bah maintenant on a un outil qui est plutôt rigolo. J'ai des skis sur les bras, sous les coudes, devant là. Là c'est un dos souple, ça me permet de glisser dessus aussi. J'en ai sur les genoux ici, et puis j'ai des drôles de skis autour des pieds, j'appelle ça des babou skis parce que c'est rigolo. Moi, c'est sur la neige, ce sera difficile de faire un truc plus intéressant. Par la variété des sensations, la variété des positions, et puis encore une fois, tout doucement, c'est marrant, très vite, c'est marrant. Voilà, ça passe à peu près partout. Ce que je trouve génial sur le domaine de la climb, c'est que ça a été possible de le faire. Ça, c'est génial. Voilà, maintenant, c'est un des plus gros domaines que je connaisse. C'est un de mes préférés aussi. Je venais skier là quand j'étais tout petit avec l'école et c'était les plus belles sorties qu'on faisait là, quoi. On va se retrouver pour l'Urban Climb, l'événement qui aura fin mars, ici à la Plagne.